réfléchir aux merveilleuses choses que tu aimes, que tu apprécies, eh bien, tu sais, quand tu réfléchis au bon moment que tu as passé, que tu réfléchis au bon moment que tu as eu, que ça soit hier, il y a un mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, et que tu prends du recul, que tu penses à cela. Tu vois, d'ailleurs, là devant moi, il y a un voilier. Parfois, c'est des choses comme cela. Tu vois, voilà, c'est un voilier qui vient d'arriver à la baie. Et parfois, tu vois des choses comme cela et ça te fait penser, ça te remémore des bons moments, des bons souvenirs. Et rien que ça, eh bien, ça te donne de la dopamine, ça te donne de la gratitude et tu te sens bien, tu te sens accompli. Et avoir des petits moments comme ça, de pause, de recul et également de pleine conscience, parce qu'on parle de penser au passé, on parle de penser à des bons moments. Donc là, évidemment, on n'est pas dans le moment présent. Mais après, revenir au moment présent, donc penser aux merveilleux, aux incroyables moments que tu as passés, que ça soit avec une personne qui t'est chère, que ça soit avec ta conjointe, donc ton conjoint, ta conjointe, ta famille, ta mère, ton père, tes enfants, ça peut être frère et soeur, peu importe, meilleur ami, meilleure amie. Rien que penser à des très bons moments que tu as passés, même avec des potes, et puis tu reviens à maintenant et tu gardes ce sentiment et cette humeur, cette sensation de gaieté, de bien-être, mais tu vas appliquer cela au moment présent de maintenant. Tu vas voir, tu vas en une fois illuminer le moment présent. Tu vois, là je me trouve, il y a des arbres, les arbres ont encore leurs feuilles, mais l'automne arrive et c'est comme si en une fois toutes les feuilles des arbres s'illuminaient. Tu vois, c'est un peu comme si toutes les feuilles de ces arbres allaient s'illuminer et que mon moment présent ici allait, waouh, je me sens rempli de gratitude en une fois, je me sens accompli, fier et content. Et ça, crois-moi, ça change tout. Quand tu penses à des moments dans le passé que tu as aimé, que tu as eu et que tu reviens dans le présent, ça va te donner une énergie de dingue, ça va te donner une très bonne énergie et tu vas pouvoir après, par la suite, créer davantage de choses parce que grâce à cette énergie, tu vas pouvoir mettre cette énergie sur autre chose, tu vas pouvoir mettre cette énergie sur quelque chose qui pour toi qui est important et qui a du sens. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur à nouveau. Si tu veux aller encore plus loin dans ta progression, eh bien tu peux me rendre visite sur mon site pierrerouater.com. C'est pierrerouater.com. Et là, je t'ai concocté pas mal d'ateliers. D'ailleurs, tu as l'atelier immersion profonde. Tu as également l'atelier belle vie. Immersion profonde, je te parle de productivité. Je te parle de la mise en application de différents pôles d'activité que tu peux faire dans ta journée, de sprint. Et on va également voir comment tu peux être beaucoup plus productif tout en augmentant ton épanouissement, ton bonheur. Parce que très souvent, quand on parle de productivité, c'est faire plus, faire plus, faire plus. Mais alors, tu diminues et ça va impacter ton bonheur personnel. Et ça, c'est mauvais. Non, comment être plus heureux tout en faisant plus. Et l'autre atelier, Belle Vie, qui est également disponible sur mes ateliers quand tu vas sur pierrerouater.com. Eh bien, Belle Vie, je te parle de Belle Vie, de comment vivre une vie beaucoup plus épanouissante. C'est un très long atelier, c'est un atelier que je mets à jour continuellement. Dès que j'apprends de nouvelles choses, dès que j'ai des nouveaux déclics, je mets à jour cet atelier, je rajoute des vidéos, j'en supprime pour les vidéos que je trouve qui sont plus trop, qui n'ont plus trop leur place dans cet atelier. Ah, tu vois, il y a un autre voilier là qui est également très beau, qui vient d'arriver également à Roche Cutters. Donc je me trouve à Roche Cutters à Sydney. Donc Roche, ça veut dire rapide, c'est quelque chose où on fait très vite quelque chose. Et Cutters, c'est coupé. Et d'ailleurs là, tu vois, il y a un autre bateau aussi qui arrive. C'est juste splendide. Voilà. Donc moi, je te souhaite une excellente journée sur ce. Et je te souhaite de vraiment faire cet exercice, de te prendre au jeu, parce que ça en vaut la chandelle. À très bientôt et à une prochaine. Ciao.